Frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 21 h 5 heure locale, heure de Paris, et nous sommes très heureux. Que Dieu soit béni. Père, nous dit Yeshua, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix, nous bénissons ton nom pour ta parole, ta parole qui nous a franchis, ta parole qui nous libère, qui nous guérit. Père Adonai, toi qui es, toi qui es, et toi qui viens, toi qui nous a... Seigneur, régénéré par ton Saint-Esprit, nous voulons honorer, Seigneur, ton nom, nous voulons honorer ta parole et nous sommes prêts, Seigneur, à la défendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom pour ton peuple, Seigneur, qui est présent ce soir. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour la défense de la Sainte Doctrine. Père très saint, nous te bénissons en toutes choses. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions ainsi. Dieu d'Israël, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Et euh, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur nos médias, sur TV et Radio de Vie, pour euh, partager la parole avec nous, pour témoigner, pour rendre gloire au Seigneur de l'œuvre qu'il accomplit au milieu de son peuple. Et vous êtes de plus en plus nombreux à, n'est-ce pas, nous envoyer des mails. Des mails pour nous témoigner de tout ce que le Seigneur fait dans vos vies. Nous avons aujourd'hui également reçu le mail d'une sœur d'origine maghrébine. Elle était musulmane, elle, était, euh, elle témoignait de la manière dont le Seigneur a visité également et, euh, par l'enseignement sur la Trinité, hein, le fait que nous dénoncions hein, nous dénonçons fortement la Trinité aujourd'hui. Et elle est tombée sur cette vidéo, elle était grandement, n'est-ce pas, touchée et euh, elle en témoigne. Et euh, voilà, donc elle a témoigné de cela. Elle nous avons son mail et euh, un long mail que nous aurons pu vous lire. Mais je pense que si Dieu permet, ce sera une prochaine fois. Et euh, en tout cas, nous sommes encouragés par, de type, euh, par ce type de, 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 de mail. Et euh, nous voyons qu'il y a un peuple, il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Un reste qui n'est-ce pas, reste d'hommes et femmes déterminés à aller jusqu'au bout pour la défense de la sainte doctrine. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, nous sommes euh, déterminés à annoncer fortement le retour de Yeshua, à apporter des enseignements. Mais les Écritures nous disent qu'il y a un temps pour tout. Donc, dans la marche chrétienne, dans la vie de tous les jours, il y a un temps pour chaque événement pour chaque chose et quand ce temps est fini on bascule on passe à un autre temps voilà donc il y a des saisons avec Dieu et c'est ça aussi l'évangile et Dieu permet à ce qu'il y ait des choses qui soient vécues ici et là pour nous permettre d'aller encore plus loin avec lui et dans notre marche et le Seigneur par rapport à l'appel qu'il m'a adressé il m'a dit clairement quand il m'a appelé n'est-ce pas Parce que nous croyons que Dieu continue à parler à son peuple. Et bien sûr, tous les jours, nous le croyons parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a envoyé son esprit. Et son esprit nous parle au travers des songes, au travers des visions, au travers de, de sa parole d'abord. Et, euh, et ce Dieu, justement, appelle des gens avec des appels bien spécifiques. Et quand il m'a appelé, il m'a dit clairement, va et libère mon peuple. Je voudrais rappeler ce soir... Hein, aux, aux uns et aux autres l'appel que le Seigneur m'a adressé n'est-ce pas donc euh, et euh, il m'a transporté devant son trône il m'a dit clairement beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes ils me les amènent et ils repartent avec elles et il m'a demandé à l'époque d'écrire un livre dont le thème est pasteur ou chef d'entreprise et euh, dans ce livre que vous pouvez télécharger sur notre site de TV de vie. Je parle de la manière dont la majorité de nos églises fonctionnent aujourd'hui. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans nos assemblées actuelles, dans le christianisme actuel, c'est la fonction, n'est-ce pas, pastorale, qui est complètement déformée. Et cette fonction peut être exercée par n'importe qui. Ça peut être un apôtre, ça peut être un prophète, ça peut être un évangéliste, ça peut être un, un, un ancien. Mais voilà, cette fonction qui consiste dans le fait d'établir de, des hommes à la tête des églises locales qui vont y rester à vie, à vie, avec leurs femmes à côté. Et ça fait des années que nous dénonçons ces choses-là. Et quand le Seigneur m'a donné cette vision, il y a quelques années de cela, j'étais loin de m'imaginer que... Dans, enfin, au sein des églises que Dieu euh, m'avait fait implanter ici et là, il y avait justement ce fonctionnement des euh, pasteurs ou chefs d'entreprise. Il y avait justement certains dirigeants qui, euh, n'est-ce pas, c'était accaparés des assemblées et qui fonctionnaient comme des chefs d'entreprise. Et je pensais que ce message de retour à la parole, la réforme des églises, concernait d'abord les églises de l'extérieur et jusqu'à ce que le Seigneur me montre qu'il fallait d'abord que ce travail commence par par nous, par nos assemblées et il fallait toutes pratiquement les rattraper et euh, commencer à parler sur euh, il fallait rattraper l'enseignement sur la dîme et dire à tout le monde que la dîme était une pratique de la loi qu'il ne fallait plus la payer. Quand la gratuité est arrivée, l'enseignement sur la gratuité de l'Évangile, pareil, il fallait expliquer aux frères et sœurs. Il y a deux étapes n'est-ce pas, l'enseignement sur la gratuité de l'évangile et ce qui a été fait. Et au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, il nous éclairait, il nous montrait les choses à modifier, à changer. C'est cela la perfection parce que, n'est-ce pas, nous tendons vers la perfection. Et bien sûr, à chaque étape, à chaque fois qu'il y avait un changement, et il y avait bien sûr des personnes qui n'étaient pas d'accord et qui, n'est-ce pas, étaient euh, soit exposées par rapport à leur pratique. Par exemple, celles qui s'accrochaient à la dîme, n'est-ce pas, était, ou qui prenaient la dîme de Jean étaient exposées. Et d'autres euh, étaient certainement sincères dans leur démarche avec le Seigneur, mais n'avaient pas forcément euh, euh, eu cette euh, compréhension de l'Évangile, préféraient s'éclipser dans, dans, dans le silence. Chacun est libre. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis ainsi que ce message continue à être euh, soit diffusé massivement. Et de plus en plus des frères et sœurs ont commencé à être éclairés. Des enfants de Dieu ont commencé par être libérés de ce joug, n'est-ce hein, pas, pastoral, pour se retrouver ensuite entre frères et sœurs ici et là pour échanger, partager la parole de Dieu, tout ça. Et euh, aux uns, ce, ce changement radical à chaque fois, progressif, était à une instabilité, n'est-ce pas Donc euh, lié à euh, l'instabilité aux, aux, aux autres. Hein, pour les autres, c'était plutôt justement euh, une réforme qui est bien sûr nécessaire pour nos églises euh, si malades. Et, euh, et, euh, et frères et sœurs, un des aspects du service que le Seigneur nous a confié, à nous qui sommes enfants de Dieu chrétiens, c'est justement, à part l'enseignement, c'est aussi le fait de dénoncer les œuvres de ténèbres, de ne pas se complaire aux œuvres de ténèbres et exposer les ténèbres jusqu'à ce que la lumière apparaisse et que les vrais enfants de Dieu accèdent à la vérité. La dénonciation des œuvres de ténèbres faisait partie, n'est-ce pas, du service de Yeshua, qui a dénoncé fortement les œuvres de ténèbres, les œuvres de pharisiens, dans Matthieu 23, n'est-ce pas, avec beaucoup de force, qui a pris un fouet et qui a chassé du temple les marchands, n'est-ce pas, et les changeurs de monnaie. Vous connaissez ces histoires. Donc, Yeshua, notre maître, a pris position pour la vérité au point où, à l'âge de 12 ans, il s'est absenté pendant trois jours, n'est-ce pas Il est resté seul pendant trois jours pour pouvoir discuter dans le temple avec les grands docteurs sur, bien sûr, euh, les choses concernant, concernant euh, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Père, l'œuvre de Dieu. Donc, et, euh, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout chrétien digne de son nom, parce que nous sommes tous en tant que chrétiens, hommes et femmes de Dieu, se préoccupent naturellement de l'œuvre du Père, des choses du royaume de Dieu. C'est naturel. Et, euh, et face à l'impunité, face bien sûr à n'est-ce pas l'hypocrisie, au mensonge, les vrais enfants du Seigneur, bien sûr, ne peuvent en aucun cas se taire. Et euh, parce que notre christianisme actuel est tellement morose tellement, mes amis, paganisés, que nous avons oublié que ceux qui nous ont précédés, on a oublié un tout petit peu l'histoire, l'histoire de l'Église, il y en a qui malheureusement ne la connaissent pas, que ceux qui nous ont précédés, d'abord Jean-Baptiste était décapité, le maître a été crucifié, Yeshua, les apôtres, la plupart ont vécu, ce n'est tous le martyr, papias d'autres disciples des apôtres, hein, donc euh, papias, tout ça, mais, euh, tous ceux qui ont précédé, -ce, tous ceux qui ont, sont venus après les apôtres, après les disciples ont vécu également des martyrs, Étienne notamment, euh, lui il a vécu à l'époque des apôtres. Et à l'époque de l'Inquisition, à l'époque des, indul des, des indulgences, combien nos aînés dans la foi, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient pris position pour la défense de la vérité, avaient été, mes amis, attaqués, calomniés, agressés. C'est très biblique. Nous avons connu, nous connaissons un christianisme tellement morose à la, n'est-ce pas, à la catholique, à la protestante actuelle, que ben tout paraît. En fait, c'est comme un, un, une, une eau qui ne qui sommeille, qui ne bouge pas, comme je dirais un lac. Voilà l'image un peu que euh, je, peux, je peux que je reçois du Seigneur par rapport à, au christianisme actuel. C'est un lac. Voilà, c'est calme. Ce n'est pas comme une rivière, n'est-ce pas Ce n'est pas comme un fleuve, mais c'est un lac. C'est-à-dire, il, il y a le calme. Voilà. Et euh, donc, euh, et alors que quand on lit les Écritures, quand on lit la parole de Dieu, la parole est claire, le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et son nom, bien sûr, est la parole de Dieu. Et euh, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, et, euh, euh, face à l'impunité, face à la... À, aux, 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 aux fausses doctrines qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos assemblées. Nous ne pouvons pas, face à toutes ces choses, frères et sœurs, et, euh, faire comme si nous n'étions pas au courant et vouloir un christianisme qui soit politiquement correct. Non, ce n'est pas possible. Et, euh, n'est-ce pas, Yeshua disait, le zèle de ta maison me dévore. Bien sûr, notre combat n'est pas contre la chair et contre le sang. Notre combat est contre les puissances occultes, contre bien sûr nos propres chairs, contre bien sûr le péché et aussi contre les fausses doctrines que nous devons bien sûr avec beaucoup de force dénoncer. Et comprenez, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, vous qui suivez TV de Vue depuis quelques temps, vous qui nous envoyez des mails d'encouragement, vous qui euh, euh, à qui le Seigneur n'est-ce pas, a dit que ce message est venu de lui. Comprenez qu'avec Dieu, il y a des étapes. Nous sommes arrivés à un, à un moment où il faut de plus en plus, bien sûr, n'est-ce pas, parler ouvertement des choses qui se passent ici et là, afin que les enfants de Dieu soient éclairés, car nous croyons être parvenus à la fin de l'âge actuel, à la fin de, n'est-ce pas, de siècle, à la fin de temps à la fin, n'est-ce pas, de ce, 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 ce temps euh, où il y a, n'est-ce pas, de la confusion, euh, où il y a beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, d'incertitude par rapport à l'avenir, tant sur le plan, n'est-ce pas, économique que politique, et malheureusement aussi sur le plan, n'est-ce pas, spirituel en ce qui concerne nos assemblées. Donc on sent que les nations arrivent à un tournant, que les vrais enfants de Dieu doivent, n'est-ce pas, Prendre position, non pour les hommes, n'est-ce pas Ni pour Chora, ni pour qui que ce soit. Ce n'est pas ça le message. Prendre position pour la vérité. Prendre position pour le Seigneur. Et nous savons tous que celui qui prend position pour la vérité, bien sûr, sera totalement rejeté. Et euh, donc, Élie euh, disait, jusqu'à quand allez-vous boiter Si n'est-ce pas, Yahweh et Dieu allaient vers Yahweh, si Baal et Dieu allaient vers Baal. Et, euh, voilà. et nous sommes justement arrivés à cette période où on voit, on voit rarement des conversions authentiques dans nos assemblées, on voit rarement des délivrances véritables, des changements de mentalité, n'est-ce pas Et euh, nous assistons plutôt à, un, à, 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 une, à, à, à la montée de l'Église. De l'Odyssée, à la montée de l'église paganisée, à la montée de l'église, n'est-ce pas, et, euh, comment dire, euh, la synagogue de Satan, qui n'est rien d'autre qu'une coalition des ministères selon les hommes, des pasteurs, des, 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 des grands pasteurs selon le monde, et qui se connectent les uns aux autres, qui se tiennent par la barbichette. Et, mais comme ils sont, n'est-ce pas, ils ont les, un intérêt commun, c'est-à-dire. Euh, les finances, l'argent, tout ça, eh bien, ils font mine de marché ensemble. Et on assiste actuellement au dépouillement des enfants de Dieu. On assiste actuellement à la ville, à, 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 au dépouillement, à, à l'abrutissement de beaucoup, beaucoup de chrétiens à qui l'on dit que si vous ratez votre culte de dimanche, vous péchez. Si vous n'allez pas à l'église le dimanche, vous péchez parce que le dimanche est le jour du Seigneur. Si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudit. Si vous n'achetez pas tel CD chrétien, vous n'aurez pas la bonne, n'est-ce pas, musique chrétienne. On assiste actuellement à un grand marché, Babylone la Grande, où tout est monnayé. Les prières, les enseignements, les chants, les conseils, les baptêmes, les mariages, tout est monnayé. Frères et sœurs, face à de telles impunités, que faire Prier, gloire à Dieu, nous voulons de plus en plus le faire, nous le faisons, intercéder, mais il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait des frères et sœurs qui, n'est-ce pas, se lèvent, pas de manière charnelle, pas, mes amis, en menaçant qui que ce soit, mais en se servant de la parole pour pouvoir justement défendre la saine doctrine. Et euh, Paul et, euh, nous dit, frère et soeur, clairement euh, la parole. C'est un passage que nous avons eu à, à lire euh, beaucoup. Nous sommes dans et, euh, Ephésiens, chapitre 5. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière tout ce qui est réprouvé tout ce que nous pouvons condamner apparaît en pleine lumière car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière car tout ce qui est réprouvé il y a des choses que nous devons réprouver telles que le péché telles que mes amis euh, euh, la masturbation n'est-ce pas que de plus en plus vous savez que de plus en plus de chrétiens aujourd'hui aujourd des écrivains chrétiens Yeah, n'est-ce pas, des, des, des auteurs chrétiens qui encouragent la pratique de la masturbation. Vous vous rendez compte, frères et sœurs Je vais, euh, par la grâce de Dieu, préparer aussi un enseignement, euh, euh, un de ce jour, sur le péché sexuel, sur la sexualité, n'est-ce pas Le mariage et euh, tout ça. Et on vous laissera l'occasion d'appeler pour poser vos questions sur... Toutes ces choses, la masturbation, qu'est-ce que la Bible en parle. Je crois que la semaine prochaine, on aura des enseignements vraiment approfondis pour que chacun puisse appeler et poser des questions. N'est-ce pas Parce que nous assistons actuellement à une invasion, n'est-ce pas, des doctrines qui sortent de l'enfer et qui, qui, qui polluent nos églises, qui amènent des chrétiens à ouvrir des boîtes de nuit chrétiennes à faire du rock, du rap, soi-disant chrétien, de la danse mondaine, n'est-ce pas, assimilée à la danse chrétienne, n'est-ce pas, et euh, à, à, à des tenues de femmes ou d'hommes, n'est-ce pas, tellement légères que l'on se demande dans quel monde vivons-nous, dans nos assemblées, à une telle légèreté, n'est-ce pas, et on assiste à l'invasion des démons. Hein, dans nos assemblées et je n'ai pas besoin de vous n'est ce pas euh, vous en parler en long et en large vous avez vous même vous êtes vous même parfois mieux placé que moi pour savoir ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui donc vous allez dans des librairies soi-disant chrétiennes vous allez trouver des ouvrages où il est question carrément de l'apologie de la masturbation c'est grave on nous fait comprendre que la puissance de la résurrection n'est plus capable n'est plus assez n'est-ce pas euh, forte pour pouvoir nous délivrer de certaines passions, désirs, n'est-ce pas On parlera comme Paul dit fuyez les passions de la jeunesse. On va développer tout ça. Quelles sont ces passions, ces désirs Et euh, c'est impressionnant donc Tellement que Dieu est absent de la majorité de nos assemblées, alors il faut trouver, ces hommes et ces femmes, ces docteurs trouvent des combines pour pallier, n'est-ce pas, pour pallier à ce manque de la présence de Dieu. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave. Vous vous rendez compte Quand on va dire à des jeunes, à des jeunes, vous pouvez aller vous masturber c'est pas un problème Honnêtement, frères et sœurs. Et c'est des choses que nous allons de plus en plus enseigner sur la moralité, sur la sanctification, sans laquelle personne, personne ne verra le Seigneur. Il y aura des enseignements davantage sur la sanctification, les trois types de sanctification, pour aller en profondeur, n'est-ce pas On va prendre le temps, ne vous inquiétez pas, pour davantage enseigner ces choses et creuser avec la parole et vous laisser vraiment le temps d'appeler pour creuser et poser toutes vos questions. Et euh, nous dénonçons, non parce que nous avons de la colère, parfois nous pouvons être virulents, ce n'est pas de la colère ni de la méchanceté, mais c'est la passion pour la vérité, pour les âmes, c'est l'amour pour les âmes, parce que... Si vous avez déjà été en enfer, vous avez vu ce qui se passe en enfer, si vous avez vu la souffrance du Seigneur par rapport aux âmes qui se perdent chaque seconde, vous ne pourriez pas, n'est-ce pas, vous taire. C'est sûr, c'est clair. Et euh, frères et sœurs, la parole est claire, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes appelés à examiner à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, mmh. ce qui est agréable au Seigneur. Ceux qui ne l'est pas, on met de côté. Amen. Alléluia, mmh. gloire à Dieu. Et la parole est claire. Examinez et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, des œuvres qui ne produisent pas de fruits, qui sont des œuvres ténébreuses. Mais plutôt, dit Paul, condamnez-les, rejetez-les. Ces œuvres-là, qui qui sont-elles ben, les œuvres des ténèbres, frères et sœurs. Eh ben, vous le savez, ces œuvres qui ne produisent aucun, aucun fruit qui honore le Seigneur, des œuvres qui se font dans les ténèbres. Et nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Et étant donné que nous sommes des enfants de lumière, comme la parole le dit, eh bien, nous devons dire les choses ouvertement, selon la parole de Dieu. Voilà ce que la parole nous dit. On nous a habitués dans nos assemblées à être ténébreux, à vivre dans les ténèbres, à cacher. Et on appelle ça la sagesse. Mais c'est une sagesse diabolique, n'est-ce pas ouais. Alléluia. Amen. Yeshua disait quoi mes amis Yeshua disait notre maître dans Matthieu. Alléluia, gloire à Dieu Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu 10, 27, si quelqu'un veut bien nous le lire. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà. Et le Seigneur est clair. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. N'est-ce pas Et il euh, et dit, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Donc, oui, nous sommes, frères et sœurs, appelés à dire les choses en plein jour parce que nous sommes du jour. Et nous attendons le jour de Yeshua, le jour du Maître. Et bien sûr, dans notre manière de procéder, dans la dénonciation des œuvres de ténèbres, et euh, comme je le disais, nous ne voulons pas nous acharner sur qui que ce soit. Mais nous voulons simplement apporter l'équilibre, apporter le message de l'Évangile pour amener les frères et sœurs à aller davantage plus loin avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il y en a qui sont des assemblées qui découvrent TV des Vies et qui vont voir parfois et les enseignements, parfois nous dénonçons, ils peuvent être choqués, mais qu'est-ce qui se passe sur cette télé On n'a pas vu ça dans nos assemblées. Eh ben, frères et sœurs, c'est parce que la plupart de nos, nos pasteurs ne dénoncent pas le péché, ne dénoncent pas les faux docteurs, ne dénoncent, dénoncent pas les faux prophètes. Voilà pourquoi eh ben, nous nous sommes, beaucoup ce sont, beaucoup de chrétiens se sont, mes amis, endormis, n'est-ce pas Et euh, il est biblique. C'est biblique de Genèse Apocalypse que euh, euh, on voit que des frères et sœurs, des hommes et des femmes de Dieu, n'est-ce pas, euh, que Dieu avait appelés, avaient pris position pour la vérité pour pouvoir dénoncer les œuvres de ténèbres, n'est-ce pas Et euh, bien sûr, quand le Seigneur appelle des frères et sœurs, bien sûr, il y a des gens qui s'opposent. On ne peut pas recevoir un message, un appel pour dénoncer le mal et ne pas, n'est-ce pas, essuyer des attaques. Ce n'est pas biblique. C'est biblique, mes amis, de suivre des attaques, de subir de la moquerie. C'est biblique. Donc préparez-vous aussi à ces choses-là parce que plus les années passent, plus les jours passent, plus euh, les, les choses vont devenir très très, mes amis, coriaces. Donc, euh, et, euh, que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais apporter davantage des éclaircissements par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la, la, la parole, qu'est-ce que la parole nous dit quand euh, euh, un frère tombe dans le péché Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que la saine doctrine nous dit Parce que nous prêchons le retour à la parole et je vous assure, frères et sœurs, n'est-ce pas Je crois que beaucoup de Dieu leur parle. Nous prêchons ce que nous vivons et nous vivons ce que nous prêchons au nom de Yeshua. Nous ne voulons en aucun cas être hypocrites au nom de Yeshua. Voilà, donc euh, et, euh, nous sommes dans, euh, dans le cas d'un frère qui tombe dans le péché. Comment doit-on procéder selon la parole? Nous parlons d'abord d'un frère ou d'une sœur qui n'a pas, n'est-ce pas, la charge d'évêque. Un frère tout court, une sœur tout court, n'est-ce pas, qui est aussi ou qui sont aussi bien sûr euh, aimés autant hein, par le Seigneur que ceux qui ont la charge de diriger. Parlons d'abord de frères et sœurs qui n'ont pas, qui ne sont pas évêques. S'ils tombent, qu'est-ce qu'il faut? faire comment doit-on procéder selon la Bible, selon la sainte doctrine. Nous sommes, comme vous le savez, dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ok, on s'arrête là. Si ton frère a péché contre toi, dans la version de la Martin, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. D'accord Donc, si ton frère a péché, tu vas le reprendre entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il si ne t'écoute pas, eh ben tu, qu'est-ce qu'il faut faire S'il si ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux témoins. Afin que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Donc un frère, une sœur qui tombe, qui pêche contre nous, n'est-ce pas Par exemple, ma sœur Aurélie euh, 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 pêche contre moi. Je veux prendre dans le cas d'un couple, par exemple. Un couple marié, l'homme trompe sa femme. N'est-ce pas Et euh, l'homme qui a péché, il a péché contre Dieu, nous sommes d'accord, mais il a aussi péché contre sa femme. Parce que le corps de sa femme lui appartient, selon un 45,7, et le corps de son mari, n'est-ce hein, pas, de cet homme appartient à sa femme. Et donc, en péchant, en couchant avec une autre femme, en ayant des rapports avec une autre femme, cet homme souille à la fois son corps et le corps de sa femme. Donc, il pêche contre sa femme. Et maintenant, si sa femme est au courant de cela, elle doit, avant de parler dehors, elle doit d'abord essayer de reprendre, n'est-ce pas, de parler avec son mari pour le gagner. Parce que avant qu'il ne se marie, avant qu'il ne soit homme et femme, mari et femme, ils étaient d'abord frères et sœurs, enfants de Dieu. D'accord Donc, mon frère, ma soeur, mon frère, ta première... La, 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 ta femme est d'abord ta, ta soeur, mon, mon frère, ma soeur, ton mari est d'abord ton frère. Donc, si l'un l'autre conjoint doit le ramener à la vérité. Combien de temps euh, la femme dont le mari a commis l'adultère doit-elle, euh, n'est-ce pas, euh, euh, combien de temps, pendant combien de temps la femme doit-elle doit exercer euh, cet, cet amour pour ramener son mari à la vérité combien de temps euh, doit-elle mettre pour pouvoir raisonner son mari dieu seul euh, le sait ça peut durer un mois pendant lequel la femme essaie de raisonner son mari ça peut durer deux ans je ne sais pas comment dieu peut conduire la soeur ou le frère c'est en fonction là c'est en fonction de ce que dieu vous dit n'est-ce pas avant de pouvoir parler à l'extérieur donc on essaie la personne la, la femme essaie de gagner son mari pendant tout le temps que Dieu va lui accorder et si le mari refuse de se repentir la femme maintenant va dans ce cas-là prendre un ou deux témoins des personnes extérieures au mariage pour expliquer cette situation et si bien sûr l'homme continue à persévérer dans le péché bien sûr là la femme peut prendre peut en parler devant l'assemblée n'est-ce pas parce qu'ils sont chrétiens tous les deux, ils sont censés aussi euh, partager la parole avec des frères et sœurs. Donc, elle peut le dire devant l'assemblée et considérer cet homme comme un, 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 un païen. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer à vouloir demander le divorce. Non, c'est parce, parce que je suis en train d'enseigner frères et sœurs Dieu contre le divorce. Et voilà. Donc, il faut maintenant que la femme reste en prière pour, n'est-ce pas, supplier la grâce du Seigneur. Maintenant, euh, entre frères et sœurs, c'est pareil hein, dans, dans une même assemblée, par exemple. Euh, Aurélie qui est ma soeur, par exemple, va, n'est-ce pas, euh, me... va pécher contre moi. Eh bien, avant d'en parler ici et là, je veux d'abord la, la voir pour parler, pour expliquer. Si elle comprend, on dit gloire à Dieu, on avance. Si elle refuse, je peux prendre des témoins et tout ça, et puis si elle continue, je peux le je dire à l'Assemblée. Ça c'est ce que la parole nous dit. Et, euh, et comprenez bien. Il est dit, si ton frère a péché, on n'a pas dit d'abord si un païen pêche. Hein? Paul dit, euh, en ce fait, qui concerne les païens, dans 1 Corinthiens 6, Dieu s'en occupera. D'accord Dieu s'en occupera. Et euh, si ton frère a péché, or il y a des gens qui pêchent, qui sont peut-être avec nous depuis quelques temps dans nos assemblées, qui ne sont pas frères. D'accord Qui ne sont pas frères et sœurs. Jean dit, ils sont sortis du bien -être de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, ce ne sont pas des frères. On dit ton frère, ton frère, c'est qui? Ta soeur, c'est qui C'est celui hein, ou celle qui euh, partage le même sang, qui a le même code génétique que toi. N'est-ce pas Et euh, je veux dire qui, qui a le même sang, euh, euh, voilà, donc, euh, qui fait partie de ta postérité. Voilà, frères et sœurs en Christ, enfant de Dieu. Donc, ceux et celles qui ont Christ dans leur vie, la parole de Dieu dans leur vie. Mon frère, ma sœur. Et là, quand c'est comme ça, ben on va aider son frère, on va aider sa sœur pour l'aider à sortir de son péché en lui témoignant de l'amour. Frères et sœurs, voilà ce que la parole nous dit. Et euh, maintenant, et euh, dans le cadre d'un ancien, celui qui a la charge du troupeau, il est dit dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Verset, n'est-ce pas 19 Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Waouh! Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Et ceux qui pêchent parmi les anciens, reprend les devant tous, afin que tous éprouvent de la crainte. Alléluia. Voilà ce que la sainte doctrine nous dit, mon frère Willy. Voilà. Donc, et nous allons encore dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre, n'est-ce pas, 19, à partir du verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Voyez donc, il faut plusieurs témoins pour constater un crime. Il faut plusieurs témoins pour constater quelque chose. Pourquoi par rapport aux hommes Pourquoi les anciens Parce que par rapport à la charge qu'ils ont, Satan aussi les attaque beaucoup. On peut aussi les accuser faussement. Donc, il faut plusieurs témoins. Mais attention, le premier témoin dont nous avons besoin, bien sûr, c'est Dieu. C'est Dieu le premier, parce qu'on a tendance tout, tout, tout à l'heure d'abord voir les hommes. C'est d'abord Dieu qui est le premier témoin, mes amis. Nous sommes dans la sainte doctrine. Nous voulons rester dans la sainte doctrine. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la sainte doctrine et euh, nous sommes dans Malachie, Chapitre 2. Et euh, verset 14. Et vous dites, pourquoi parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nous apprenons ici que Dieu est le témoin, le premier témoin dans nos mariages. Le témoin, le premier témoin de nos mariages. Et euh, frères et sœurs, on nous dit que Yahweh est le témoin entre l'homme et sa femme. C'est pas Chora qui le dit, frères et sœurs. Je sais que vous aimez la sainte doctrine. Je sais que vous aimez la vérité. Et c'est ce que la parole de Dieu, frères et sœurs, nous apprend. Voilà, il y a un peu de bruit à côté. Et ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas agressés ce soir. C'est Didasco. Le Seigneur est en train de faire du bien à ses enfants. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Voilà, donc nous sommes dans Apocalypse. N'est-ce pas Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Yeshua se présente aussi comme le témoin, n'est-ce pas le, le témoin fidèle. Parce que quand la Bible dit qu'un ancien qui pêche, il ne faut, faut pas le juger sans la déposition de deux ou trois témoins, le premier témoin, le témoin fidèle, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Et on a vu dans Malachie 2.14, le témoin en question c'est Yahweh. Et dans Apocalypse 3.14, on nous dit que en fait c'est aussi Yeshua. Alléluia. Donc Yeshua est bel et bien Yahweh. Donc ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mes amis, il ne peut pas y avoir deux témoins fidèles. Hein? Il n'y en a qu'un qui est fidèle. Et c'est Yahweh ou encore Yeshua à Machia. Ah oh, j'aime la parole frère. Alléluia. Donc ça veut dire quoi Si on t'apprend, on te dit qu'un ancien a péché, il faut d'abord aller voir le premier témoin. Entre dans ton lieu secret, va consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette sœur? Qu'est-ce que tu dis de ce frère? Seigneur, parle-moi. Voilà le premier témoin. Or, or, comme Yeshua, son nom est la parole de Dieu. Hein? Nous dit Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Donc le témoin Yeshua, le témoin fidèle, n'est autre que la parole de Dieu. Sa parole. Donc nous examinons la vie, le comportement, l'attitude de cet ancien à la lumière de la parole de Dieu. Donc, si un ancien ne se comporte pas selon la parole de Dieu, selon la Bible, il est un porte-faux. Si un ancien. Avant de valider son péché, il faut consulter au moins trois témoins. Et nous apprenons que le premier témoin, c'est Yahweh lui-même ou Yeshua, ou encore la parole de Dieu. Donc l'ancien a-t-il respecté la parole de Dieu L'ancien respecte-t-il la parole de Dieu Frère et soeur nous allons consulter le premier témoin ce soir, n'est-ce pas, et euh, qui est la parole de Dieu. Et euh, 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 pour examiner les œuvres, n'est-ce pas, de ceux qui se disent prophètes, apôtres, docteurs, que nous voulons dénoncer avec force au nom de Yeshua. Nous, nous voulons les exposer à la lumière du monde entier pour que les gens sachent qui sont ces charlatans, ces marchands du temple, ces voyageurs ambulants qui emprisonnent les chrétiens, qui les tétanisent, n'est-ce pas, qui les enferment dans leurs bâtiments et qui veulent les voir remplir leurs locaux et, euh, et qui ne veulent pas les voir, n'est-ce pas, aller prier ailleurs. Nous voulons examiner le premier témoin à la lumière de la parole de Dieu. Voilà ce qu'un bon chrétien doit, doit faire, n'est-ce pas, quand on entend des accusations sur les frères et sœurs, on examine d'abord Dieu on, la parole, on va devant Dieu. Seigneur, je viens devant ton trône. Papa, je suis ton enfant, je suis ta fille, ton fils, parle-moi. Parle-moi Seigneur. Qu'est-ce que ta parole dit Est-ce que le, le frère en question, la soeur en question, marche-t-il, marche-t-elle selon ta parole Respecte-t-il ta parole Qui est le premier témoin Ensuite, les deux les autres témoins, bien sûr, ce sont les hommes qui, peuvent, qui nous connaissent, qui nous côtoient, n'est-ce pas Alléluia. Qui ont constaté des choses, qui ont vécu des choses, qui ont remarqué des choses. Que nous pouvons aussi consulter. Alléluia. Donc, on peut aussi le consulter parce que la parole le dit. Mais le premier témoin, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ensuite, les deux autres témoins, bien sûr, ce sont les hommes de ce monde. Parce qu'on peut consulter les hommes de ce monde et, et sans avoir consulté la parole. Et là, eh bien, quand on va consulter la parole du Seigneur, on va se rendre compte que les deux autres témoins avaient faux. N'est-ce pas Donc, on, voilà. Donc, c'est d'abord la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons, mes, mes amis, euh, 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 expliquer les choses correctement pour que vous compreniez notre démarche. Nous sommes, nous voulons être dans la saine doctrine et nous voulons en même temps, mes amis, exposer les œuvres de ténèbres pour que vous sachiez que l'évangile, mes amis, c'est aussi le fait, n'est-ce pas, d'exposer les ténèbres. Au nom de Yeshua. Et euh, nous, voulons, nous ne voulons pas agir charnellement. Nous ne voulons pas combattre charnellement. Nous avons, par la grâce de Dieu, des moyens pour aussi mener charnellement le combat contre, certains, euh, contre les faux prophètes. On en a, on en a les moyens, n'est-ce pas Vous savez qu'on a subi plusieurs agressions physiques. Il y a deux ans, j'étais dans un parc. Des jeunes que j'ai formés sont venus me menacer. J'ai dû porter plainte contre eux. Il y avait près de 200 personnes avec moi. Et ces frères et sœurs, il y en a qui voulaient en découdre avec eux, je leur ai dit, ce n'est pas la peine, restez en prière, restons en prière. Il y a un des jeunes qui m'a touché ici, que j'ai formé, qui m'a caressé le bras en disant, ah, je ne suis pas tombé sous l'onction. Et des jeunes qui étaient avec moi, étaient tellement, il y en a qui étaient tellement en colère, je leur ai dit, personne ne bouge, s'il vous plaît, restons bibliques. Laissons faire. Dieu est celui qui justifie. Bénissons le Seigneur. Et... Beaucoup avaient, la plupart avaient compris que Dieu a fini par glorifier son nom, frères et sœurs. Donc, euh, et, euh, et voilà, nous voulons rester biblique, nous voulons rester dans la parole, dans la douceur, dans n'est-ce pas la tempérance et euh, dans la sagesse de Dieu, et euh, pour que le nom de Yeshua soit glorifié, béni. Et euh, ces jeunes hommes. Cet homme que vous savez, dont je vais rapidement parler ce soir pour de nouveau le dénoncer pour la dernière fois, et ensuite je vous promets mes frères et sœurs, comme je parce que je ne l'avais jamais fait, après nous allons passer à autre chose dans nos enseignements, dans nos réunions habituelles au nom de Yeshua. Mais si je dénonce ceux qui sont à l'extérieur, sans dénoncer ceux que j'ai formés, ou qui sont encore dans les assemblées ici et là, bien qu'elles soient autonomes, si je ne le fais pas, je serai un frère, n'est-ce pas, injuste. Je serai injuste. Pourquoi dénonces-tu les Castanou, les Béni-In, et tu ne dénonces pas ceux que tu as formés et qui ont prêché le même message que toi hier, et qui aujourd'hui prêchent autre chose Donc si je ne le fais pas, je serai un hypocrite. Et les autres pourront dire, tu dénonces les autres et tu ne dénonces pas ceux que tu as formés, parce qu'on les voit bien qu'ils sont égarés. Les fruits sont là. Je voudrais spécifier une chose qui a été mal comprise. Quand je dis que Internet est le Mont Carmel, je ne dis pas qu'il faut aller menacer les gens physiquement. Je ne sais pas s'il faut parler dans quelle langue, dans la langue des anges, je ne sais pas. Le Mont Carmel, Élie n'a pas menacé les gens physiquement. Élisée n'a pas... Les prof, même les prophètes de Baal n'ont pas menacé Élie. Le Mont Carmel, c'est soit un débat autour de la parole, mais pas avec les impudiques, pas avec les gens qu'on a déjà corrigés et qui ne veulent pas changer, mais avec des détracteurs, des faux discoureurs, pour les, pour les confondre, pour leur fermer la bouche. Et euh, le Mont Carmel, c'est le fait de dire tu as Dieu eh bien, montre-nous que tu es Dieu avec toi, par tes œuvres, n'est-ce pas Montre-nous au travers de tes œuvres sur Internet ce que Dieu fait avec toi. Et nous allons aussi prier notre Dieu qu'il fasse des œuvres au travers de ses enfants et que le monde entier aussi voie afin que les frères et sœurs, le monde compare qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Voilà le Mont Carmel. Le Mont Carmel, ce n'est pas aller chez les gens menacer les gens, c'est faire l'œuvre là où tu es, montrer au monde entier que Dieu est avec toi. Non de manière orgueilleuse, mais par les fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà le mont Carmel. Et euh, frères et sœurs, au nom de Yeshua, et nous le disons haut et fort, nous sommes sur le mont Carmel. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la parole. Et les chrétiens, parce qu'on est dans un temps de confusion, où, il y a, où la Jézabel a pris de l'ampleur, n'est-ce pas Et il faut justement que les enfants de Dieu travaillent dans le royaume du Père humblement, afin qu'au travers de leurs œuvres, leurs fruits, que le monde découvre la lumière. En fait, ils vont manifester la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres seront éclairés. Voilà le Mont Carmel. Frères et sœurs, au nom de Yeshua, je veux, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière j'ai dénoncé les gens de Nantes, et je n'ai pas encore tout déballé, n'est-ce pas, par rapport à Nantes, cette semaine, c'est la semaine, donc euh, 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 pas toute la semaine, n'est-ce pas Demain, croyez-moi, il y aura d'autres enseignements. Mais cette, hier et aujourd'hui, c'est la dénonciation ouvertement de Steve Kunda, afin que les gens découvrent davantage, redécouvrent davantage cet imposteur. Que mes amis, euh, j'ai eu à former, à encadrer pendant près de 12, 10 ans. Hein, 10 ans, et euh, qui est venu païen. Il est venu avec sa femme, sa femme à l'époque n'était pas convertie. Elle s'est convertie là, baptisée. Je les ai, à l'époque, je bénissais les mariages. J'ai béni leur mariage. Et à l'époque où je faisais l'ordination, je les ai ordonnés, hein, priant pour leur service, leur ministère à l'époque. Envoyés à mission ici et là confier, n'est-ce pas, une assemblée à Massy et aider dans les conseils comme un père dans la foi, comme lui-même l'a reconnu et le reconnaît. Maintenant, mes amis, mes frères et sœurs, quand un frère, quand un enfant dans la foi se méconduit, se comporte, n'est-ce pas, contre Dieu, contre la parole de Dieu. Que doit-on faire Si l'on est un père dans la foi, doit-on fermer la bouche Non. Par rapport à notre expérience, nous avertissons, nous donnons des conseils. Et celui qui écoute avance, celui qui n'écoute pas, c'est son problème. Je voudrais qu'on nous diffuse la vidéo où il reconnaît que je suis son père dans la foi. C'est mon père spirituel. Je connais le Seigneur à 19 ans. C'était en 2000. It was in 2000. Tout de suite après ma conversion. After, after conversion on s'est mis à servir le Seigneur. We to serve the Lord. Et ça fait 12 ans que ça perdure. And it has been 12 years that et ça it's va continuer encore. And it will continue. et Vous savez, frères, ce qui m'a poussé à persévérer. Make me continue, de voir sa persévérance et le, le caractère. Le caractère d'un homme de Dieu. To see the character of the man of God. vous Savez Paul dira soyez mes imitateurs. Paul will say, be sacrificators, Non par rapport à la grâce qu'il avait. Not because of the grace that I had, Non par rapport à son onction. Not because of his unction, Non par rapport à son appel. Not of his appeal, mais par rapport calling, aux vertus de l'esprit. But Mais ça c'est très important. And this is very important. On doit être soi-même sans singer quelqu'un. Mais on doit prendre ce qui est bon dans une personne Ce people, qui contribue à notre percée, à um, notre avancement. We will go, we will move Et c'est un modèle pour moi. Et je t'en témoignerai toujours. Et je te bénis abondamment. N'est-ce pas Devant le monde entier. Devant près de 2500 personnes. Au nom de Yeshua. Mes amis, je crois que le rôle d'un père dans la foi, d'un aîné dans la foi, quand il voit des jeunes se méconduire, sortir de la vision du Seigneur, c'est de les avertir hein, et de le corriger selon la parole avec le bâton, n'est-ce pas, apostolique, pour redresser ces gens à revenir à des sentiments meilleurs. Donc, et la parole le dit dans Ephésiens chapitre 6, nous sommes dans la doctrine et vous, pères, corriger les enfants selon le Seigneur. N'est-ce pas Et, euh, et euh, nous sommes dans la doctrine. Et euh, si l'on peut nous balancer cet élément. Et euh, voilà. Je même s'il faut qu'on mette la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. S Il faut qu'on mette la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. Okay. C'est ma vie. Comme ok, tu peux t'arrêter là. là. Voilà. Voilà quelqu'un qui se dit, euh, 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 qui euh, a été formé, que j'ai formé, et qui va chanter dans le monde entier que Chorakou et ne veut pas me recevoir. Il ne veut pas appliquer Matthieu 18, frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que quand on sert le Seigneur, on se comporte comme un mes amis, un fou, un insensé comme ça Comme un quelqu'un qui délire au point de débarquer dans nos locaux de TV de vie À la fin de notre émission d'hier soir avec son grand frère n'est pas converti avec n'est ce pas et euh, une interdiction sur la porte où c'est bien spécifié interdit entrée interdite à toute personne étrangère on peut me redonner cela voilà donc nous avons cette interdiction là Interdiction d'entrée à toute personne étrangère. On ne l'a pas mis depuis hier soir. Ceux qui viennent dans les locaux de TV de vie savent que cette interdiction est là depuis, n'est-ce pas, depuis longtemps. Voilà, interdit d'entrée à toute personne non autorisée. Voilà. Steve Kounda arrive hier avec ses, n'est-ce pas, et... Euh ses compagnons, ses euh, collaborateurs, notamment son grand frère biologique, qui n'est pas converti, il l'associe à sa démarche pour se venger, et il pénètre dans les locaux de TV et radio de vie, n'est-ce pas, prêt à en, en découdre avec caméra, pour pouvoir filmer et aller dire aux gens, voilà, on n'a pas, ils n'ont pas voulu nous faire rentrer. Tout était déjà prémédité, préparé d'avance. Frères et sœurs, ils rentrent dans les locaux. Nous venons à peine de finir l'émission qu'il, que Steve se précipite, se jette sur la porte, frappant avec, n'est-ce pas et euh, euh, So, avec son son sa, sa, son épaule brutalement Et il y a une sœur qui était là devant n'est-ce pas qui a eu mal il y a un papa le papa Nat un papa de près de, de près de soixante ans qui est de loin notre père qui est n'est-ce pas qui a vécu cette scène qui est aujourd'hui euh, 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 secoué traumatisé au point de dire qu'il aurait pu faire une crise cardiaque. Et j'étais dans les locaux, dans les studios. Donc je n'étais pas dans l'autre pièce où lui il était. Je venais de finir l'émission quand des frères m'ont dit, ah, il y a Steve qui vient d'arriver, il est il tout agité, avec son frère, avec deux autres personnes, avec une caméra. Frère, sachant que ce monsieur est prêt à tout, parce que pendant trois ans, il a dit devant son assemblée, et il me l'a dit à moi directement, il a dit à Loufiane, à plein d'autres frères et sœurs, que Dieu lui a dit que j'allais mourir et c'est lui qui allait me remplacer. Frères, c'est des choses qui ne se disent pas. Je suis encore jeune, je n'ai encore rien fait dans l'œuvre du Seigneur, mes enfants sont petits, pourquoi vouloir que je meure tout de suite pour me remplacer L'œuvre du Seigneur ne se fait pas comme ça. Des frères. Bien sûr, quand ils ont vu cela, ils ont bloqué la porte pour ne pas qu'il ait accès dans les locaux, dans nos studios, sachant que nous avons beaucoup de matériel. Et quand on a vu cette violence qu'il avait, on se dit, eh ben, ça y est, Steve est devenu complètement fou. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, vous êtes témoins. Pendant, n'est-ce pas, plusieurs mois, cet homme m'a a accusé devant le monde entier faussement, me traitant de tout le nom, m'accusant, n'est-ce pas, de tromper ma femme. D'ailleurs, j'apprends. Comment Polygamie. Polygamie, donc de vivre en polygamie avec deux, donc, euh, deux femmes à la maison. Apparemment, je me suis enfermé une fois dans la salle de bain avec une ça, femme. Oui, a priori. A priori, donc je ne sais pas si c'est. Tu, tu... Euh, bah, moi ce que je peux dire c'est que euh, durant toute cette période où nous avons hébergé donc une, une personne, euh, dont je tirais le nom et euh, parce qu'elle a demandé à rester dans le silence et euh, je veux respecter sa volonté. Donc euh, nous avons hébergé cette personne et pendant cette personne euh, pendant que cette personne était chez nous, euh, je n'ai pas travaillé je suis restée là, j'étais au chômage et après j'ai eu un temps euh, où euh, bah, on a connu un temps de vache maigre. Et jamais mon mari ne s'est retrouvé dans la salle de bain avec elle. Jamais. Tout ce qui a été dit, ce sont euh, des allégations. Euh, je me serais confiée à, euh, à, euh, à Steve euh, un soir, une nuit où il serait, euh, où il est venu à la maison. Je lui aurais ouvert mon cœur. Je lui aurais raconté comment mon mari me maltraite et comment il, il m'a fait, a priori, accepter la polygamie. Euh, je pense qu'on se connaît tous, je pense que vous connaissez mon caractère, je pense que vous savez que j'ai un caractère assez trempé, que euh, Dieu m'a sorti du féminisme et il ne m'a pas mis dans sa présence pour complètement détruire ce côté-là. Donc si, d'aventure, mon mari aurait voulu m'imposer ça, je me serais levée. Mais ce n'est pas le cas. Cette personne-là, nous l'avons hébergée parce qu'il la considérait comme, comme sa fille. Nous avons fait tout notre possible pour qu'elle puisse s'en sortir. Et je ne vais pas commencer à étaler notre vie privée, je ne vais pas commencer à vous donner des jetons pour pouvoir les jeter à mon mari, parce que je pense que ce n'est pas ce que la parole demande. Donc, je vous dis, et ouvrez bien vos oreilles, je le dis tout de go, tout ce qui a été dit par Steve est faux. Je tairai cependant ce que lui m'a raconté. Parce que peut-être que lui ne s'en rappelle pas, mais à force de rechercher, j'ai trouvé. Dieu m'a fait grâce de me rappeler de certains détails. Et je tairai. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, euh, vous voyez, frères et sœurs, quand une personne est en plein délire, comme c'est le cas pour Steve Kunda, et qui souhaite la mort de son père dans la foi, qui annonce devant son assemblée à Orléans, avec des preuves à l'appui, que je vais mourir et c'est lui qui va me remplacer. Dieu lui aurait dit cela. Frère, et ne me voyant pas mourir, bien évidemment, il faut tout faire pour me tuer physiquement ou carrément spirituellement. Mais gloire à Dieu, je ne mourrai pas, comme David disait, je vivrai et je raconterai les œuvres de Yahweh. Je crois que tous ces jeunes que j'ai eu à former, ils sont assez nombreux, qui ont eu des femmes au sein de ces services, de ces ministères. Aucune de leurs femmes ne pourra dire que j'ai eu de propos, n'est-ce pas, euh, déplacés à leur rencontre. Et euh, donc, aucune ne pourra dire qu'elle a été. Donc, euh, je lui ai fait la cour ou euh, les frères qui sont euh, avec moi depuis des années dans euh, le message. Dieu est fidèle et nous avons heureusement eu le message de notre sœur, n'est-ce pas, qui dit que, et, et qui, qui est tellement aussi dépassé par cette, n'est-ce pas, vision, cette, ces accusations, ces allégations. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Et il y a tellement de choses qui sont racontées. J'ai des millions ici et là. Villa en Suisse, Steve Kunda se permet d'aller dire à Gilbert le pasteur, que j'ai une villa en Suisse. Frères et sœurs, c'est c'est impressionnant de voir des jeunes que j'ai eu à former, à qui j'ai ouvert mon cœur, aidé pendant des années, envoyé en mission, très peu de pasteurs des ministères l'ont fait ici et là et qui maintenant souhaitent ma mort pour pouvoir me remplacer. J'ai compris pourquoi certains ministères sont euh, morts exécutés par leur enfants à la fois, notamment Severin Kakou, parce que qui devait le remplacer C'était ça la question. Et je vous assure, j'ai suivi même cette affaire de près, et je ne me réclame pas de cet homme, je prends juste cet exemple-là pour illustrer un peu ce que nous pouvons vivre ici et là. Moi, m'enfermer dans une salle de bain avec une femme, oh, j'aurais tellement souhaité qu'il y ait cette vidéo en 2006, ils ont répandu, tous ces gens-là, ils ont répandu la nouvelle dans tout Paris que Chiracoto qu avait engrossé une femme. Et tout Paris en parlait, j'étais en Côte d'Ivoire quand on m'a appelé. Que des allégations. Et depuis 2006, j'attends cet enfant-là également. Qui, dans leur esprit, dans les esprits de ces accusateurs, cet enfant doit avoir, nous sommes en 2014, doit avoir 8 ans. Voilà. Donc, euh, cet enfant invisible. Voilà. Donc... On rebalance encore la vidéo là où il dit que il peut mettre la Bible de côté. Voilà. Ok. Voilà un soi-disant apôtre qui dit que s'il faut mettre la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. Et il se permet de dire au monde entier que je n'applique pas Matthieu 18 à 15. Mais on se moque de qui Tu penses, Steve, que les gens sont devenus aussi fous que toi Pour rentrer dans ton délire, tu ne peux pas tromper les véritables enfants de Dieu. Il est temps que tu te repentes réellement. Parce que ton jugement sera terrible. Ton jugement est déjà terrible. Comment un apôtre peut-il dire qu'il va mettre la Bible la parole de Dieu de côté. Et ensuite dire dans la même vidéo que s'il pêche aujourd'hui, Dieu va lui pardonner. Alors que la Bible nous dit, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. S'il pêche aujourd'hui, mes amis, eh bien, Dieu va lui pardonner. C'est ce qui sort de la bouche de cet homme qui, n'est-ce pas, se dit apôtre. Il précise, c'est ma vie, si je pêche, Dieu va me pardonner. Alors, les apôtres sont des défenseurs de la saine doctrine. Ils sont amoureux de la parole de Dieu. Regardons ce que la parole nous dit. Nous sommes dans Hébreux, chapitre, n'est-ce pas? Parce qu'il a besoin d'être fouetté avec la parole pour qu'il se redresse. Il a besoin du fouet de la parole, parce que là, son délire maintenant est devenu manifeste pour tous les hommes. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 6. Euh, euh, 10, verset, 20, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc Steve est devenu un vrai rebelle vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Parce qu'il dit qu'il peut mettre la Bible de côté pour pouvoir pécher et ensuite demander pardon à Dieu. Alors qu'il se dit apôtre, et il a la connaissance de la parole, et la parole nous dit dans Hébreux 10, justement 26, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. Vous voyez, frères et sœurs, vous qui suivez Steve, il est temps que vous vous repentiez, parce que l'heure est grave pour cet homme. Vous avez vu Paul parler comme ça, apôtre Paul, l'apôtre Pierre, L'apôtre Jacques, l'apôtre, euh, euh, comment dire, euh, tous ces apôtres du Seigneur, l'apôtre Barnabas, dire qu'il va mettre la Bible de côté, qu'ils vont mettre la Bible de côté et pécher parce que c'est leur vie et demander pardon à Dieu. Mais péché, quel péché, Steve, Kunda, que tu as voulu faire ici, commettre ici, un meurtre Parce que tu es venu pour en découdre. Et tu oses mentir aux gens en coupant des parties de ta vidéo où tu as déblatéré beaucoup d'autres choses en disant que tu es prêt à mourir, tu es prêt à aller en enfer pour me tuer. Tu l'as dit ici dans le locaux, tu as coupé cette partie. Tu l'as dit à un frère d'Evry que tu as appelé. Ce frère est traumatisé jusqu'à ce jour. Pendant un an Steve, je n'ai pas voulu te dénoncer. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour, je veux t'exposer davantage. Et ensuite, je te laisserai entre les mains de celui qui m'a appelé. Je te le ferai entre les mains du Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je t'ai enseigné. Quand tu étais encore païen, quand tu es venu avec ta femme. Je ne maudis personne, je bénis mes ennemis, mais je veux vous laisser entre ses mains, comme un père dans la foi. Et le monde entier saura qui est un père dans la foi. Car si je suis dans un péché, Dieu le fera connaître rapidement. Dieu montrera les œuvres de ceux et celles qu'il a appelés. Tu oses dire que la parole de Dieu, qui est la vie véritable, la parole à laquelle nous devons nous attacher fermement, que tu peux la mettre de côté pour pécher volontairement, et ensuite demander pardon à Dieu, et vous qui le suivez, vous les brebis aveugles, vous qui êtes venu avec ce monsieur, vous n'avez pas réalisé qu'il est devenu fou Qu'il est devenu malade Il est temps que vous sortiez de ce bâtiment pour sauver vos vies. Parce que sa folie est désormais manifeste pour tous les hommes, pour tout le monde. Allons voir d'autres propos de Steve. Il faut qu'on mette l'abîme de côté. On mettra l'abîme. C'est ma vie. Et même si je pêche aujourd'hui, je demande le pardon. Aucun ne peut me. C'est ma vie. Et même si je pêche aujourd'hui, je demande le pardon. Aucun ne peut me. Et Il dit qu'il n'est pas. Il est venu tranquille. Il ose dire qu'il est venu tranquille. Il ose dire qu'il est venu tranquille. Il fallait qu'on le reçoive parce qu'il était venu tranquillement. Mais de qui se moque-t-on? Jésus a-t-il parlé comme ça? Pierre a-t-il parlé comme ça? C'est comme ça que je vous. Je t'ai enseigné, Steve, pour parler aux aînés dans la foi, mais tu ne te rends pas compte, et toi, ta femme, Déborah, qui aurait pu être une épouse capable de raisonner son époux, tu l'entraînes dans la folie C'est grave. On continue Allons parler le... de l'histoire hein de, de, de cette mineure. De on on m'impose... Allons écouter maintenant l'histoire de cette jeune fille de 16 ans. 16 ans, je dis. Une mineure que Steve a eu à malmener, sur qui Steve a eu à faire des attouchements. J'étais à Martinique à mission quand on m'a appelé pour me dire que Steve a fait des attouchements sur une mineure. Et j'ai demandé aux anciens à l'époque de s'occuper de cette affaire car je n'étais pas présent. Et les anciens ont eu à gérer cette affaire correctement. Et l'un des anciens qui est venu en parler hier soir, c'est notre papa Nat, qui a 75 ans, qui a parlé avec Steve pendant une heure. Et Steve a reconnu son péché de devant Gilbert. Je suis allé à Orléans pour régler cette affaire parce que il ose dire que j'ai peur de lui. Si je ne suis pas sorti des locaux, parce que des frères, il y a des frères, je tiens à te le dire Steve, et vous qui le suivez bêtement. On était plus nombreux que vous. Numériquement, vous les êtes quatre. Nous étions plus nombreux, tu le sais. Il y a des jeunes qui étaient là qui voulaient en découdre avec toi, Steve. C'est pour te protéger. C'est pour protéger, n'est-ce pas, le témoignage de l'œuvre que Dieu nous a confiée, que je n'ai pas voulu sortir des locaux, des studios, parce que quand je suis sorti, souviens-toi, ton frère, biologique a mis sa main sur mon épaule. Je vais appeler Sébastien qu'il vienne. Ton frère biologique a osé porter sa main sur moi en la posant sur mon épaule, me serrant comme ça, n'est-ce pas Et Sébastien, un frère qui est là, qui, qui vient de partir, était tellement choqué qu'il a pris la main de ton frère, il l'a enlevé. Et ton frère, Ludovic Roger, qui est sorti aussi, qui a, n'est-ce pas et euh, euh, qui est intervenu Et ton frère biologique Steve dira à Ludovic Rouget, qui a 50 ans, qui est de loin ton aîné, qui va lui casser la mâchoire. Et tu oses dire, Steve, que vous êtes devenu en tranquillité tranquillement Tu mens en qui C'est grave de voir un apôtre débiter de tels mensonges. Il ment comme il respire. C'est impressionnant. Tu as fait des vidéos contre moi pendant des mois et des mois. Est-ce que tu m'as vu citer ton nom alors que nous avons tous les moyens pour le faire Nous avons TV, Radio de Vie qui, est suivi, qui sont suivis dans le monde entier par des milliers de personnes. Nous avons le journal, les documents. On peut parler. Nous avons des, des, des sites, plusieurs sites, comme tu le sais, des frères et sœurs dans le monde, des milliers de personnes qui sont touchées par le, par le Seigneur et pas par moi, qui peuvent se lever pour pouvoir dénoncer. Est-ce que tu les as vus se lever pour pouvoir te dénoncer, Steve parce que je leur ai dit, frères et sœurs, restons en prière, laissons Dieu lui-même s'occuper de lui. Pourtant, tu as sali ton père dans la foi. Celui qui t'a aidé, celui qui a béni ton mariage, celui qui t'a enseigné la parole, celui qui t'a envoyé en mission. Celui qui est venu te soutenir en à mission à, 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 à Orléans. Celui chez qui tu venais manger, prendre la nourriture dans le frigo. Tu as oublié Steve Et euh, tu m'as sali pendant des, des mois et des mois avec ces fausses ces vidéos mensongères. Les frères et sœurs, j'ai dû les calmer en leur disant, laissons Dieu va se glorifier, laissez cela, laissons passer. Je ne suis pas sorti des locaux pour ne pas que les jeunes sautent sur toi. Il y avait Jean, un de jeunes pasteurs que tu connais, qui était aussi un grand délinquant dans le monde. D'ailleurs, il t'a appelé tout à l'heure pour te dire qu'il va te trouver, qu'il veut te rencontrer. Parce que tu l'as humilié et il va te trouver. Il sait où tu travailles et il va te trouver. Non pour te, pour, pour te taper, mais il veut régler des choses avec toi. Jean était dans les locaux, dans les studios, et il était, il grinçait dedans. Il y a d'autres jeunes qui étaient là, qui étaient, qui voulaient sauter sur vous. Et tu imagines le témoignage de tout de l'œuvre Alors, j'ai jugé bon de ne pas sortir. Et quand je suis sorti, ton frère a osé lever la main sur moi, me touchant l'épaule. Et Sébastien, un jeune, a enlevé sa main et ton frère l'a menacé. Pourquoi ton frère n'a pas voulu bien montrer son visage Pourquoi s'est-il caché Steve, Kunda. Et... Tu as appelé Blaise, un des anciens et d'autres, pour leur dire depuis des mois et des mois que tu allais venir me voir avec tes frères biologiques. Tu es rentré dans la chair. Le combat pour toi est devenu charnel. Mais tu ne mourras pas. Parce que j'ai connu le Seigneur avant toi. Je sers Dieu depuis 86. N'est-ce pas Avant même, n'est-ce pas Que tu sortes, je pense, de ton, de ton biberon. Je servais déjà le Seigneur. Et Dieu, n'est-ce pas, jugera de cette affaire. Et euh, donc je précise que je n'ai pas peur de toi parce que si j'avais peur de toi, je ne serais pas descendu, je ne serais pas allé jusqu'à Orléans quand j'ai appris que tu avais fait des attouchements sur les frères et sœurs là-bas. Souviens-toi, l'enregistrement est sur l'audio que tu as diffusé sur Internet pour me salir, en coupant des morceaux, en prenant des morceaux qui t'arrangent pour me matraquer pour me salir. Nous sommes allés à Orléans, nous avons discuté. Tu te rappelles, Steve? Toute la nuit. Et à 5h du matin, 6h du matin, rappelle-toi, nous sommes sortis. Je suis sorti, ta femme et toi, vous m'avez suivi. En plein hiver, nous avons partagé, parlé pendant près d'une heure. Tu te souviens, Steve, dehors avec ta femme Et tu oses dire que je ne t'ai pas vu, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas discuté Tu te rappelles, Steve, avant qu'il y ait ce, ce scandale Tu es venu me voir à Paris avec Blaise. Tu te souviens J'étais à Évry au bras de fer. Rappelle-toi, Gilbert était avec nous à le bureau. J'étais reçu, Steve, on a discuté longuement. Tu penses que j'ai peur de toi On a discuté longuement, je te dis ce que je pensais. Tu m'as partagé des choses, ce que tu, tu redoutais, parce que la sœur malgache, je t'ai envoyé en mission à l'île Maurice. C'était quand, Pasteur Willet C'était en 2012. En 2012. Steve, je t'ai envoyé en mission. En 2012, à l'île de la Réunion et à Madagascar. Tu es parti à Madagascar, tu as fait la cour à une femme mariée. Malgache, qui est venu avec son mari à la veillée du 21 décembre 2012, avec sa sœur Voyerana. Les trois, la veille de leur euh départ, de leur retour à Madagascar, les trois sont venus chez moi à la maison, devant ma femme. Et qu'est-ce que cette femme a dit La sœur, comment elle s'appelle déjà Lynn. Lynn a confessé devant nous, a oui. dit comment tu t'es comporté là-bas, en disant que quand je serai à déconne, c'est toi qui le corriges. Quand est-ce que tu m'as corrigé, Steve je te leur posais la question à Orléans devant plein de frères et sœurs. Tu as nié, tu t'es mis à genoux en pleurant, en disant papa, papa, tu te rappelles, Steve Mais cette vidéo-là, tu ne l'as pas diffusée Et ensuite, Lynn, cette femme mariée, malgache d'origine, a dit le mauvais témoignage que tu as eu, que tu as laissé là-bas, contrairement à mon frère Arthur, qui est parti là-bas, qu'on a envoyé à mission, qui a laissé un bon témoignage. Ils ont dit combien tu es orgueilleux, le témoignage que tu as laissé là-bas, et combien tu as fait la cour à cette femme mariée qui était choquée, qui est choquée jusqu'à ce jour. Elle a dit également à Willy, le missionnaire que j'ai envoyé à l'île de la Réunion, avec son épouse, Roselyne, pendant combien de temps vous êtes resté à la mission là-bas Quatre ans et demi. Quatre ans et demi. Ouais. Et qu'est-ce que lise à Lynn t'a dit à Madagascar ouais. D'abord... Ça ne m'étonne pas par rapport au comportement de Steve. En 2008, j'avais reçu clairement, par la grâce de Dieu, de l'avertir par rapport à ses faiblesses sexuelles. Mm -hmm. Et je lui ai, je n'ai parlé à personne. J'ai entendu jusqu'à ce que je l'ai vu, moi et lui seul, sans témoin. Mm -hmm. Et je lui ai dit cela. Et il avait reconnu il, il a, a reconnu qu'il a cette ce faiblesse sexuelle. Il a reconnu, même dernièrement encore. Tu es reparti chez lui il y a, il y a moins suis, de trois mois. Oui, je suis reparti à Orléans. Mm -hmm. Et je lui ai dit, souviens-toi, c'est que j'avais reçu, que je t'avais parlé. Et devant les témoins, mm -hmm. sa femme était là. Sa femme était là, deux autres témoins étaient là. J'avais aussi un frère avec moi qui était là. Et il avait reconnu aussi par rapport à ses faiblesses sexuel mm -hmm. alors ça ne m'étonne pas d'attendre qu'il a fait ceci il a fait ceci il a été averti mm -hmm. alors quand il est allé en mission à madagascar cette soeur était avec son mari mm -hmm. ben lui il a tenu la, la main de la soeur mm -hmm. ils sont avancés un peu puisque le mari était resté un peu en arrière en fait mm -hmm. tu prends la main de la femme d'autrui voilà je te m as m as avec et la soeur aussi sentait que non, il avait des sentiments pour elle. Mmh. Et ils sont allés aussi acheter des vêtements parce que quand il est arrivé, bon, par rapport à ces retards qu'il avait à l'aéroport, sa valise était restée. Mmh. Il est venu avec l'habit qu'il avait mis. Mmh. Et c'est à l'océan Indien qu'on lui a acheté des vêtements. Il est revenu presque avec deux valises. Mmh. Alors, ils ont acheté des vêtements et... Il a mis euh, le pantalon dans la chambre pour euh, appeler la sœur de venir voir si euh, ça, ça lui allait en fait. Tu, dans ta chambre, tu sais, essayes un pantalon que tu viens d'acheter. Voilà. Tu appelles une femme mariée pour qu'elle rentre dans ta chambre euh, voilà. pour voir si le pantalon te va. Voilà un peu euh, les explications que la sœur m'a données. Et Sa je chambre. lui en ai parlé lui-même en fait. Et il a voulu se justifier hein, en disant que... Euh, et il a tenu la main parce que euh, il a trébuché, il voulait tomber et puis il a tenu la main de la sœur. En fait, bon ça c'est son explication. En fait, il a il a sauvé. Dieu seul le sait. Voilà, c'est bien. Donc euh, et euh, c'est grave, c'est grave, frère oui. et sœur. Il a perdu la raison cet homme. Ça me fait mal au cœur. Je ne l'ai pas connu comme ça. Il était un frère qui aimait le Seigneur, qui aimait le Seigneur. Et qui considérait les autres, qui me considérait, j'en pleure de le voir dans cet état. Ça ne me fait aucunement plaisir. C'est une douleur dans mon âme de voir Steve et plein d'autres dans cet état. Nous sommes dans la vidéo de cette jeune fille de 16 ans. L'histoire de là, il y a six ans de cela, c'était en 2008. Hein? Une jeune fille qui vivait dans la publicité comme pas possible. J'ai pris la décision pour la chasse euh, de l'église. Et ensuite, quelques temps après, j'avais une mission à trois. Et cette mission, il y avait cinq personnes qui partaient avec moi. Au dernier moment, les personnes se sont désistées. Je sortais du travail, il était 21 ans, quelque chose comme ça. Sa mère m'appelle pour me dire, bah, il y a sa fille qui est là, qu'est-ce qu'on fait Et j'ai dit de me retrouver à la gare de Brétigny. Et quand j'avais la gare de Brétigny, comme je suis tenue de travail, donc je suis parti chez moi, le temps de me changer. La fille me demandait qu'elle avait faim. Je lui dis, euh, je vais montrer ma cuisine. Elle peut se servir. Ma femme a fait à manger. Et ce jour-là, parce que ma femme savait que je partais en mission, elle est partie de dormir chez le pasteur Gilbert. Tu le sais très bien, menteur. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer Cette fille va rester là. Et pendant qu'elle a mangé, elle, on discute à table, son téléphone sonne. Et d'une manière inopinée, une je prends son téléphone et je vois un texto. Oui, qu'est-ce que tu fais pour l'enfant, tout ça, euh, etc. Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire j'ai pris pour la fille sur place, les démons se manifestent comme pas possible. Sauf que le temps qu'on ait parlé, le temps était passé de pratiquement minuit, je crois. Et à cette heure-ci, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur Timothée de Troyes, j'ai dit pasteur Timothée, je suis avec une fille là, etc. Donc, je dois venir chez vous pour le programme euh, de demain. Euh, qu'est-ce que tu en penses Et Timothée me conseille, écoute, pas prendre la fatigue comme tu sors du travail. Dans ce cas-là, viens directement demain matin ou le prends la route ce soir. Et cette fille, qu'est-ce qui va se passer Comme j'étais dur avec elle quand je l'ai repris, je priais pour elle. Quand J'allais dormir, je lui montais la chambre de ma fille, Elona, parce qu'à l'époque j'habitais à, à Brittany, j'avais 115 mètres carrés, il y avait trois chambres, je lui montais la chambre de ma fille, et comme j'étais un peu trop dur avec elle, pour la fortifier simplement, je l'ai pris dans mes bras. Je en tout cas, je t'aime beaucoup ma fille, que le Seigneur te bénisse, sois en paix. Et quand je l'ai pris, je ne me suis pas senti à l'aise. Elle est rentrée dans la chambre, je suis rentré dans ma, dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, le okay. matin, je me On s'arrête là. Voilà, en fait, Steve est tellement devenu malade qu'il ne sera même pas compte qu'il est devenu malade, qu'il a besoin de la délivrance. il, euh, il habitait à l'époque à Frères et Sœurs, hein, à bretigny. Okay. donc, à bretigny, et le pasteur, enfin, gilbert, habitait à évry. donc, bretigny et évry. Hein, c'est à 10 minutes de voiture. il l'avait prévu. il avait prévu steve Kunda d'aller en mission à troyes, où on avait eu une assemblée là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer Il invite chez lui une jeune fille de 16 ans, mineure, que lui dit, hein, dont lui-même dit qu'elle qu était dans l'impudicité. Tu sais très bien, Steve Kunda, que cette fille était dans l'impudicité, mineure, 16 ans, toi, homme marié, père d'enfant. Tu prends le soin d'envoyer ta femme en week-end chez le, chez le pasteur Gilbert pour rester seul avec cette fille de 16 ans qui est dans l'impudicité au point où tu as toi-même dit que tu voulais la chasser de l'église à cause de son impudicité. Tu l'as chassée de l'église. Tu as voulu la chasser de l'église à cause de l'impudicité. Mais par contre, tu n'as pas. Tu l'as invitée chez toi à la maison. Mais Steve, tu te contredis. Tu as un problème. Tu tu voulais la chasser de l'assemblée où il y a du monde pour l'inviter chez toi, étant seul avec elle et passer toute une nuit avec elle. Steve, tu ne vois pas que tu es devenu malade? Frères et sœurs, prions pour Steve Kounda. C'est un appel que je vous lance d'un père dans la foi. Tu proposes de chasser une fille de 16 ans mineure à cause de son impudicité de l'assemblée, mais par contre tu acceptes de passer la nuit avec elle, mais tu veux nous fournir quelles raisons en disant que tu n'as pas vu le temps passer Mais quand c'est comme ça, on n'envoie pas sa femme en week-end Et tu dis toi-même que tu as commencé à prier pour elle, les démons se sont manifestés. Mais bien évidemment, Steve, parce que tu dis qu'elle est dans l'impudicité, elle est dans l'impudicité, donc elle est pour tes Et tu savais pertinemment qu'il ne fallait pas prendre ce risque. Et ensuite, Steve Kunda, tu dis que parce que tu étais sévère avec elle, maintenant pour la consoler, oh, un petit câlin. Quoi de plus normal pour consoler une femme qui est blessée hmm? Pour la soulager. Tu ne pouvais pas la consoler avec la parole seulement Et tu la serres dans tes bras bien comme il faut Au point où cette jeune fille de 16 ans a senti ton, 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 ton corps rentrer en érection Qu'elle était choquée Et tu as dit toi-même Steve que tu t'es pas senti bien. Est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est ne pas sentir bien quand on a une femme dans ses bras, une femme métisse et très jolie et, 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 et qui, qui, qui bien sûr euh, 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 dégageait cette séduction est-ce que tu peux aller un peu plus loin pour dire, Steve, s'il te plaît, comment, ce que tu appelles ne pas se sentir bien, est-ce que tu as senti le vertige Est-ce que tu as eu un malaise Est-ce que tu as fait une crise cardiaque D'accord, donc je comprends très bien. Tu as toi-même reconnu ton impudicité, que tu ne t'es pas senti bien. Alors, comme tu ne t'es pas senti bien, si c'était un malaise cardiaque, tu allais appeler la, la, la police, euh, la, les pompiers. Si c'était un problème de santé, tu allais demander à cette fille d'appeler hein, le SAMU. Mais comme tu ne t'es pas senti bien sexuellement, tu t'es senti, n'est-ce pas, saisi par les pulsions sexuelles qui t'animent depuis des années, dont tu as du mal à contrôler. Willy, notre pasteur qui est là, t'as déjà averti, tu as reconnu toi-même. Il est parti il y a trois mois là-bas, à Orléans, devant ta femme et tes anciens là-bas. Tu as reconnu cette, cette faiblesse également. Mais Steve, tu t'es pas senti bien et tu es parti t'enfermer dans ta chambre. Sauf qu'il peut il y a le feu. Bien évidemment, parce que tu étais séduit. Et jusqu'à ce jour, tu n'es pas passé par la délivrance. Ce n'est pas étonnant si tu as répété cette, n'est-ce pas, ces embrassades à, à, à Orléans, là-bas. Au lieu de t'humilier, de te repentir, tu veux te débattre. Pour montrer au monde entier que tu es un, un, un homme. Et je tiens à te signaler, oui, comme tu nous as menacé de revenir samedi, nous t'attendons samedi, Steve. Viens encore nous menacer comme tu l'as fait. Voilà. Tu seras le bienvenu. Tu seras le bienvenu. Et euh, bien sûr, et pour ton information, tu m'as tellement menacé depuis les années, depuis les, tu, de mort, en disant que je veux mourir. Je n'ai pas parlé jusqu'à ce jour. Tu appelles des gens pour dire que tu es prêt à aller en enfer pour me, pour me tuer. Tu l'as dit encore dans les locaux ici. Euh, tu l'as entendu, euh, Philippe Est-ce que tu peux venir dire aux frères et sœurs, s'il te plaît quand Steve Kounda est venu hier, voilà, Philippe, un jeune dans la foi, a entendu ces propos de Steve, ça l'a choqué. Alors, euh, bonsoir, déjà. Donc, euh, je fais partie des personnes qui ont tenu la porte lorsque Steve a essayé de l'enfoncer lorsqu'il est arrivé la première fois. Vous allez tous vu dans la vidéo. Et donc, il déblatérait pas mal de, pas mal de choses, de paroles assez choquantes pour quelqu'un qui se dit apôtre. Et, euh, et c'est vrai que dans toutes les phrases qu'il a dites, a priori, il a, il a dû la couper dans la vidéo ou euh, faire son petit montage comme il a un peu modifié la bande-son aussi qu'on voit vers la fin, où euh, il disait qu'il était prêt à, à clairement bah, aller jusqu'en enfer quoi, pour régler, euh, s'il si, si fallait, pour pouvoir régler ces euh, histoires d'homme à homme. Et euh, c'est des choses, mais si j'étais à la porte avec, euh, avec d'autres frères, on s'est regardé, on s'est dit, mais waouh quoi, à ce point-là quand même. Il est prêt comme à aller à enfer pour en découdre avec moi, pour régler ces affaires d'homme à, à homme. Et à un autre frère d'Evry, il a dit clairement qu'il est prêt à l'enfer enfer, comme tu l'as entendu, mais cette fois-ci, il a rajouté pour me tuer. Et euh, sache que Steve, si au jour d'aujourd'hui, des frères, des jeunes ne sont pas encore arrivés à lever la main sur toi, c'est parce que c'est moi qui leur dis. Restons dans l'esprit, soyons des hommes et des femmes de la parole, comme je vous l'ai enseigné, comme le maître nous l'a enseigné, comme son esprit nous a enseigné. Tu dois savoir qu'il y a beaucoup d'ex-délinquants ici que Dieu a touchés, tu le sais, de Lufiane, des gens, il y en a beaucoup. Le pasteur Willy qui est là, que tu minimises, n'est-ce pas Moi je vais témoigner pour lui, Dieu l'a complètement changé aujourd'hui, on voit encore la transformation dans sa vie. Il était, c'est un ex-champion. Hein Champion Combien de fois champion de R RDC Six fois champion. Six fois champion de la RDC. De... Ceinture noire, troisième dame. Ceinture noire, troisième dame. Entraîneur de la gendarmerie nationale. Entraîneur de la gendarmerie nationale de la RDC. Garde-corps des grandes personnes. Garde-corps de grandes personnalités. Et tu t'es beaucoup humilié, tu l'as beaucoup humilié. Et dans tes vidéos, tu l'humilies beaucoup. Tu as humilié sa femme, Roselaine, que j'encourage qui m'a envoyé un mail aujourd'hui pour dire, enfin, Steve est dévoilé, parce que quand il est venu à l'île de la Réunion, il m'a humilié. Et, euh, et tu vas rencontrer des mensonges à chaque fois sur, sur moi, sur ce que je redis sur les uns les autres, comme vous avez l'habitude de le faire pour vous justifier à chaque fois. Et tu vas raconter là-bas aux gens que quand tu pars à l'île de la Réunion, tu me traites de menteur. Pourtant, tu n'arrêtes pas de mentir comme tu respires depuis des années. Tout le monde le sait ici, Steve. Tu as, tu as raconté que tu as ressuscité à mort à l'île de la Réunion. Quel est ce mort qu'il a ressuscité par ça où il est quand il est parti là-bas Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Tu étais là présent J'étais là depuis qu'il était arrivé jusqu'au jour où il est parti. Je ne l'ai pas vu ressusciter un mort. Voilà. C'est ce qu'il a raconté partout. Il a ressuscité à mort. Donc, voilà ce menteur qui... Est, euh, voilà comme la parole le dit. Quand un insensé un, un voit, quand un fou voit les autres fous, hein, euh, euh, les hommes censés passer. Sont, censés passer il se met à dire voilà le fou voilà le fou voilà donc euh, et euh, tu oses me traiter de menteur je bénis Dieu pour toutes ces calomnies et je te bénis Steve je t'aime beaucoup véritablement je te bénis en Christ comme un père mais Dieu jugera ton affaire et tu euh, blesses les âmes du Seigneur qui ont témoigné dans la vidéo qu'on a diffusée hier et tu n'as pas eu le temps d'aller les voir pour pouvoir partager avec eux j'ai toujours dit si quelqu'un a des choses à me reprocher qui vienne me voir il y a des gens que je n'ai pas voulu recevoir pourquoi je ne veux plus te recevoir parce que je t'ai déjà reçu comme je l'ai dit tout à l'heure et trois deux gens nous disent ceci je veux être biblique 2 Jean 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Steve, tu touches des femmes, tu caresses des jeunes filles, tu, fais, euh, tu invites une mineure chez toi et tu oses dire que, dire que je ne t'ai pas fait asseoir, mais les anciens t'ont fait asseoir. Pourquoi tu as quitté l'église de Massy pour aller à l'église d'Evry à l'époque On t'avait fait asseoir, Steve. Moi j'étais à Martinique, on avait réglé cette affaire. Quand je suis rentré, je t'avais dit ma position, tu étais déjà assis. Les anciens l'ont témoigné. Et la parole dit que quiconque va plus loin que la doctrine, tu es parti plus loin que la doctrine. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu dis que tu vas mettre la Bible de côté. Tu es prêt à l'enfer enfer pour tuer. Et tu veux que je te reçoive encore après t'avoir après reçu beaucoup plusieurs fois mais non, je ne suis pas à ton service, mon ami. Je suis au service du Seigneur d'abord. Fini les sentiments comme hier. Fini cette facilité que tu avais. Je vais aller voir mon père dans la foi. Je vais voir mon papa, tout ça. C'est fini ça, Steve. Je ne suis plus dans les sentiments. Non. Tu es parti plus loin que la doctrine. Et la Bible me dit de te dire de, de, de ne même pas te saluer. Pour ne pas participer à tes œuvres. Donc je suis dans la doctrine. Voilà. Le mensonge doit être démonté. D'ailleurs, il y a d'autres femmes que tu as caressées à Orléans, qui, dont on a les vidéos, et je crois que on va les diffuser afin que les gens voient véritablement qui tu es. Mais sache-le, beaucoup l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu. Parce qu'il y a beaucoup de visions que les frères y sont reçues ici et là, bien avant que ce scandale n'arrive où tu es exposé. Et ton exposition va attirer, va permettre aussi aux uns aux autres qui se cachent de se préparer parce que s'ils si ne se repentent pas, on va aussi les exposer. Si j'avais quelque chose à cacher, si j'avais couché avec une autre femme que la mienne, si j'avais des relations sexuelles avec une autre femme que la mienne et que toi tu le savais, tu penses que j'allais vous dénoncer tout comme je, voulais. je le fais. On allait se tenir par la barbichette. Donc, je le fais tout en sachant que je crains Dieu, j'essaie de craindre Dieu depuis des années. Voilà. Je gardais le même message depuis que vous m'avez connu. La sanctification, la crainte de Dieu. Je n'ai pas changé de message. Voilà. Le message du retour à la parole, vérifiez bien mes vidéos. Je n'ai pas changé de message. Or toi, Steve, tu as changé de message. Tu dénonçais Béni In avec beaucoup de force. Tu dénonçais les pasteurs d'Orléans, tu, tu leur as manqué du respect. Des gens qui sont tes aînés dans la foi. Tu les as tous dénoncés, traités d'impies. Tu as dénoncé Benny Hinn. Nous avons plein de tes vidéos que les frères et sœurs d'Orléans nous ont amenées. Des enseignements que tu donnais, aujourd'hui que tu condamnes. Et je t'invite un peu à la modération, à la repentance. Parce que tu t'enfonces de plus en plus. On va nous balancer sa biographie qu'il a été postée sur enseignement.com, un site impie, que lui-même Steve a dénoncé. Voilà maintenant qui va s'abonner là-bas, parce que c'est un boulevard qui conduit à l'enfer. Biographie de Steve Kunda. De l'enfer, de gang, au sacerdoce royal. Oh, quelle grâce. Ensuite, n'est-ce pas? Et euh, on va descendre là où il parle de Benny Hinn. Voilà. Voilà. Doucement, doucement. On va remonter un peu, s'il vous plaît. Voilà. À l'âge de 19 ans, devant celui qui se, qui, que l'on nomme Yahweh, vi, venu le visiter dans sa chambre, le Seigneur opéra un changement radical dans la vie du jeune Steve, qui dès lors fut convaincu de ses péchés et éclairé par la lumière du Christ. L'étape de repentance franchie, Steve eut alors l'assurance du soutien de l'Éternel, lui donnant la victoire sur Golgotha, hein, sur Goliath. Comme il lui a, il le lui a dit lui-même. L'Éternel est ma, ma force, enfin bref. La vie ministérielle de Steve alors débuta de 2000 à 2010. Steve Kunda servit le Seigneur au sein du ministère la mission évangélique, sur les sommets du Christ. Mais il fallait bien préciser que Steve, que cette église, c'est Dieu qui me l'a fait implanter. Que tu as été formé par moi. Tu as zappé cela Bon. Comme encadreur d'une cellule de prière à Saint-Denis, puis ancien quelques années plus tard, il fut reconnu au ministère d'évangéliste. Mais qui t'a reconnu dans ce ministère, Steve N'est-ce pas moi que Dieu a utilisé Puis finalement au ministère apostolique, qui t'a reconnu en tant qu'équipier, non apôtre mais équipier, tu t'es collé toi-même ce titre-là, et tu ne veux plus t'en défaire. Ses fruits spirituels l'attestent. Ah bon Toutes ces victimes que tu as caressées, uniquement impressionnées par Christ. Ah ben gloire à Dieu, nous voulons tous être impressionnés par Christ. Steve fut toutefois touché par la grâce du Seigneur accordée à l'évangéliste américain Benny in Oh là là, Steve Kunda est devenu l'associé de Benny In, un commerçant, le, qui est le pape de la prospérité. Donc nous comprenons pourquoi Steve est... Troublé, comme ça, au point de dire qu'il va mettre de côté la Bible, comme Benny Hinn a mis de côté la Bible pour aller adorer Catherine Kuhlman, qui est son mentor, hein, dans sa tombe, auprès de qui il reçoit son onction. Donc, nous comprenons pourquoi Steve Kounda parle comme ça aujourd'hui. Parce qu'il est affecté par l'esprit qui a touché Benny Hinn. Donc, les choses sont claires. Voilà. Depuis 2006, il dit. Alors que depuis 2006, il dénonce Benny Hinn. Depuis en 2006, il, dénonce, il a dénoncé In. En 2007, il a dénoncé In. En 2008, il a dénoncé in En 2008, on a organisé la conférence Église Où Es-tu. Vous vous rappelez? La vidéo est sur le net. On a dénoncé les pratiques de tout ce monde-là, les In notamment. Steve, on a, on a, on a posé n'est-ce pas cette, cette question Église Où Es-tu? Et on a dénoncé toutes ces pratiques. Et Steve était là. Il a prié pour les gens comme les autres. En 2009, la conférence de 2009, la captivité de l'évangile, Steve Kounda était là. Et il dit que depuis 2006, il suit Benny Hinn, touché par Benny Hinn. En même temps, il dénonce Benny Hinn fortement. Mais vous ne voyez pas qu'il est troublé. Il dit une chose et son contraire. Il ose me traiter de menteur. Alors que Steve, dans son enregistrement, il dit qu'il qu ne connaît pas, n'est-ce pas Et Paul Olotte, il le dit ouvertement, vous avez l'audio qui ne connaît pas Paul Lolotte, qui ne l'a jamais eu. Et Paul Lolotte dit que eh ben, c'est Steve Kounda qui lui a demandé de venir me voir avec lui pour faire la confrontation. Mais qui dit vrai entre Paul Lolotte et Steve Kounda Qui dit faux, qui dit vrai Voilà deux associés qui se jettent la patate chaude. Qui se balance, qui se refilent la patate chaude. Qui va la, qui va la garder cette patate-là, tellement qu'elle est chaude Voilà. Et d'ailleurs, sa femme a fait une émission avec Paul Olotte sur The Mag. Hein? C'est publié en février dernier. Et Steve Kunda dit dans cet audio qu'il ne connaît pas Paul Olotte. Et Paul Olotte dit qu'il a eu quelques il y a quelques jours seulement qu'il a eu Steve au téléphone. Mais qui ment entre Paul Olotte et Steve Kunda Allez le savoir. Et c'est Chora qui est l'imposteur, c'est Chora qui est le gourou, c'est Chora qui conduit les écervelés, c'est Chora qui est le diable. Hein? C est, c est, voilà. Donc euh, toutes sortes d'épithètes j'accepte parce que christ a dit que j'allais être traité de tout le nom comme tous les vrais chrétiens j'accepte parce que ça fait partie de notre mission mais je refuse cela parce que ça ne fait pas partie de ma moralité voilà et euh, dieu est fidèle frère et soeur dieu est bon dieu est bon regardez bien tous ces gens ils se mettent à vendre leurs CD, ils se mettent à faire des concerts payants, ils se mettent à n'est-ce pas mettre des photos sur leurs affiches alors qu'ils ont dénoncé cela. J'ai tes messages, Steve, qu'on a où tu dénonces ces choses-là. On a tous tes messages là. On va les mettre, on va montrer ta contradiction. Tout le monde entier verra à quel point tu es contredisant, à quel point tu es contradictoire, à quel point tu as des problèmes. Et il te faut la repentance. Je t'invite en tant que Père de la foi à te repentir, à arrêter de désirer ma mort parce que je ne mourrai pas. Et je ne veux pas non plus ta mort, je ne la souhaite pas, mais je t'invite ainsi que ta femme à la repentance. Et s'il y a une bonne repentance, je prierai pour vous devant le Père afin que vous soyez restaurés si cela, n'est-ce pas, est encore possible. Donc c'est une invitation d'un Père de la foi à la repentance. Car je vous porte encore dans mon cœur, malgré tout le mal que vous avez fait. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Comme le Fils prodigue, je crois que tu peux revenir à la raison et te repentir sincèrement pour retrouver le bon sens et les meilleurs sentiments qui t'ont animé dans le passé. Quant à Paul Lot, Paul j'attends toujours ta réponse pour le débat public et que le monde entier connaisse la vérité au nom de Yeshua. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est vérité, je n'ai peur de rien. Ma vie, je l'ai consacrée au Seigneur jusqu'au bout. Et je tiens à préciser, Steve Kondat n'est pas le seul enfant de la foi que j'ai formé qui a péché et que je ne veux pas, je ne veux plus recevoir, que je n'ai pas voulu recevoir, il y en a d'autres. S'il est honnête, il vous le dira que c'est la vérité. Parce que j'estime que quand on a reçu le message de la, du retour à la parole et qu'on l'a prêché pendant des années et qu'à par la suite on, on tombe si bas dans le péché, dans le mensonge, dans la rébellion, j'estime qu'on ne peut pas encore, on peut pas faire du chantage pour, pour être reçu, alors après avoir été reçu à plusieurs reprises. Donc, il ne faut pas se moquer du Seigneur et manquer du respect aux aînés. Dieu est bon. J'ai eu un père dans la foi, Kadé coup, il s'appelle, que j'ai toujours et je considère, en aucun cas, je lui ai manqué du respect, comme vous l'avez fait vis-à-vis -vis de moi pendant toutes ces années, parce que j'ai tout simplement voulu vous corriger par rapport à vos égarements afin de vous amener à la lumière. Si vous étiez dans le bon, si c'est moi qui suis dans le péché, alors pourquoi dans ce cas-là, vous êtes reparti dans vos vomis Pourquoi avoir repris la dîme Pourquoi avoir repris les affiches avec photos Pourquoi avoir repris les fédérations d'hommes Pourquoi avoir repris, n'est-ce pas, la collaboration avec les révérends alors que vous avez dénoncé ces choses-là Pourquoi avoir repris, n'est-ce pas, les groupes de louanges alors que vous avez, n'est-ce pas, condamné ces pratiques avec force le groupe de louange parle dans les assemblées locales, pas lors des réunions euh, euh, ponctuelles. Pourquoi vous avez repris et, euh, euh, et euh, toutes les choses que vous avez vomi Il fallait rester dans la vérité de l'évangile. Il ne fallait pas tenir de tels propos en disant que je vais mettre de la, la Bible de côté. Il fallait rester dans la vérité. Au moins, vous aurez, vous serez toujours, vous aurez toujours du crédit au nom de Yeshua. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous pardonne. Et je vous bénis tous au nom de Yeshua. Et je dis aujourd'hui, on ne va pas tomber dans vos bassesses. J'attends la réponse de Paul, Paul Olotte, Mais nous sommes sur, n'est-ce pas, la vision qu'elle nous a confiée. Nous sommes dans cette vision du retour à la parole, du retour de Yeshua. Nous voulons nous sanctifier pour son retour, frères et sœurs. Donc, et euh, nous passons cette étape de la dénonciation de cet homme pour, n'est-ce pas, euh, vivre d'autres choses avec le Seigneur, notamment ce samedi, votre réunion de réveil habituel, où nous allons enseigner sur Christ, sur Yeshua, prier ensemble, adorer ensemble Dieu notre Père. Il nous reste trois samedis et croyez-moi, nous n'allons pas les gâcher, ne vous inquiétez pas. Et nous allons également nous préparer correctement pour le 19 décembre. La Bible de Yeshua sort bientôt. On va nous livrer bientôt les 10 000 exemplaires. Merci pour vos prières, vos soutiens. Et nous allons les distribuer gratuitement. Nous avons loué une deuxième salle, comme vous le savez, où nous allons partager la parole, chanter, louer Dieu. Et à partir du 22 décembre jusqu'au 31 décembre, il y aura des réunions, des programmes matin et soir, frères et sœurs. Et en 2015, nous allons tourner dans les villes, dans les quartiers pour aller proclamer l'évangile. Il y a des bonnes choses qui nous attendent. Je tiens à bénir Dieu. Je tiens à louer Dieu pour ses bienfaits, pour toutes ces épreuves, que toute la gloire soit rendue au Seigneur, notre Père. Mon épouse et moi, ça fait au moins 18 ans, je crois, que nous sommes mariés. 17 ans euh, J'avoue, depuis que je suis converti, je ne calcule plus trop ces choses-là. Voilà, donc 17 à 18 Pardon, ans. Pardon, voilà. Et ça. Euh, le Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Elle aime beaucoup ce cachet, elle travaille beaucoup dans l'équipe de Documos, de notre journal, avec Adèle et d'autres sœurs. Donc, Guylaine et tout ça, une équipe solide. Que Dieu soit béni pour cette, cette belle équipe. Dieu est fidèle. Ensemble, tous ensemble, unis. Blancs, noirs, maghrébins, jaunes, arabes, euh, chinois, indiens, peu importe vos origines, métis, tous ensemble, pauvres, grands, riches, main dans la main, priant glorifiant, louant Dieu de tout notre cœur et annonçant son retour glorieux. Nous vous aimons et nous vous saluons tous au nom de Yeshua. A bientôt. Et je tiens à signaler que le dimanche 30 ou 31, nous serons à Bruxelles. Donc c'est une. Voilà, ça devait être une surprise, mais ça nous manque, Bruxelles. Dimanche 30, on sera à Bruxelles toute la journée, à partir de 10h. Il y aura un programme là-bas sur TV de vie. En même temps, on sera en direct. Donc que Dieu soit béni, frères et sœurs. Nous sommes encouragés, croyez-nous, nous sommes debout. Et nous bénissons tous ceux qui nous persécutent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Au nom de Yeshua. Amen.